Là, il y a le démarrage en place. Ça va aller, Ayman, la conduite? Ça va aller. Tu dépasses pas? Là, je suis à 130. Ça va. Ça, c'est une Umrah spirituelle et studieuse, mashallah. Ça, c'est ce que j'aime. Et toi, Ayoub, tu fais quoi? Je vois pas de là. Mashallah, il révise son cours sur la Umrah. Et toi, tu fais que conduire en fait? Même pas d'istighfar, de dhikr. Quoi, tu peux, hein? C'est vrai. Et Ustad, on le voit pas par là? Si, on le voit ici. C'était des films, du coup. Allahumma. Allahumma. Inna. Inna. Nes'aluka. Nes'aluka. Fi safarina hada. Fi safarina hada. Albirra. Albirra. Wa taqwa. صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيد جسم خشك بر خشكي Shut up,
في الحشا محصور أيها المفتوح هم بها Et voilà Kouba. Alors les hommes, on a la particularité d'avoir une coursive comme ça qui est ouverte. Aussi des endroits fermés, à gauche, en face et à droite. Tout droit, c'est l'endroit où le prophète, alayhi salam, quand il arrivait la première fois, il y avait prié. Je crois hier, je vous avais partagé. Vous avez l'eau de Zamzam juste ici. Et derrière le deuxième zem, et je ne peux pas vous filmer, du coup, vous avez la zone des femmes, on les voit là-bas, derrière les morceaux en bois. Alors, vous avez là-bas au fond, là vous voyez les personnes debout, le puits où le prophète, alayhi salam, sa bague a été perdue. Du coup, il y a deux versions. Il y a celle qui dit que c'est le prophète, alayhi salam, lui-même, de son vivant, que la bague a été perdue. Il la tenait dans ses mains, il l'a donné à Abu Bakr, il l'a donné à Omar, il l'a donné à Uthman. Chacun des trois, c'était pour l'observer, pour la voir. Et quand elle était entre les mains de Uthman, elle serait tombée et le prophète a demandé à sécher le puits pendant 3 jours pour la sécher afin de la retrouver, mais elle n'a pas été retrouvée. Une autre version dit que ça s'est fait à la mort du prophète, alayhi salam. Que son alliance à sa mort a été donnée à Abu Bakr, puis elle a été transmise à Omar, puis elle a été transmise à Uthman. Et lorsque Uthman l'avait en sa possession, un jour il est parti dans ce puits-là pour y faire ses ablutions, et la bague du prophète, alayhi salam, est tombée. Alors, et ici, on a la maison du compagnon Kultum ibn al-Hadam. Donc, pardon, c'est pas forcément la taille de ça, ok? C'est approximativement, elle était située dans cet endroit-là, mais pas nécessairement la taille de la pelouse. Et c'est là où le prophète, alayhi salam, il va rester dormir pendant 4 jours chez ce compagnon-là.
donc il dormait chez ce compagnon là et donc la maison, on peut dire à peu près, hein, à peu près ça pouvait faire cette taille là je me recule pour qu'on puisse bien voir dans le groupe de la Ramada des familles, donc à peu près ça faisait cette taille là il dormait ici pendant 4 jours et en même temps il avait une deuxième maison qui est ici qui était à peu près dans cette zone vers là. Et celle-là, c'est la maison du compagnon Saad ibn Haytham. On dit qu'il dormait chez Kulthum. Le compagnon, c'est un prénom mixte, Kulthum, à la fois masculin et féminin. Il dormait chez lui avec sa famille, la mère des croyants. Il y avait Saïda Aïcha qui dormait avec lui ici. Il y avait Saouda également. Il y avait les filles du prophète. Et ici, chez Saad ibn Haytham, il recevait les gens. Donc il donnait cours à cet endroit-là. Et il y recevait les invités et tous ceux qui sont venus pour lui dire, on dirait Al Islam Tech, mais pour le prophète, on disait Marhaban Bika Ya Rasulallah, bienvenue à toi, au messager de Dieu. Et là-bas, c'est le chemin, vous rappelez ça, on l'avait vu à la dernière Umrah, les garçons, c'est par là que le prophète Al Islam est arrivé depuis Mecca. Et donc ensuite, il va dormir ici, il va donner cours ici, et ça, ce qui est maintenant la mosquée, elle n'existait pas et c'est lui qui va poser les premières pierres. Il va débuter la construction, il ne va pas la voir se terminer. Il va partir à Médine, c'est le chemin qu'on a fait là tout à l'heure. Donc tout le chemin qu'on appelle maintenant Darb Sunna. Il va faire tout ce trajet là pour ensuite construire le Haram, la mosquée du prophète. Et ensuite, bien sûr, les compagnons vont finir la construction de cette mosquée et après il reviendra chaque samedi, minimum, mais parfois plus. Salman Al-Farisi avec les palmiers qui ont été plantés par le prophète alayhi salam lui-même, ce qui est beaucoup mieux que d'aller dans une palmerie quelconque. Vous avez, venez les garçons, ben vous le découvrez en même temps les garçons, n'est-ce pas? Donc là déjà vous avez les fameux palmiers, ils s'étendent jusqu'au loin. Ils ont donc été plantés par Nabi alayhi salam. Et comme je disais aux garçons, c'est possible qu'un palmier, s'il est malade, donc il arrive à un certain âge, il va mourir. Mais ses pousses, ses graines, ont fait qu'il va faire naître de nouveaux palmiers. Et ça reste du coup des palmiers que le prophète alayhi salam a plantés. Et ils s'étendent jusqu'au loin là-bas. Alors venez les garçons, juste ici un puits. Je vais pouvoir le montrer en vidéo également. Thank you.
je vous montre de nuit. Majid al-Ramam, Majid Abou Bakr et Majid Ali, qu'on a vu tout à l'heure. Ces trois endroits où le prophète faisait la prière de l'Eid. Donc parfois là, parfois là, parfois là. Et ici, c'est également là où il a fait la prière de demande de la pluie, la prière d'Al-Istisqa. Donc voilà, on voit justement cette pluie. J'allais dire les garçons, ils sont partis loin, mais non, alhamdoulilah, ils sont juste là. Alors on est en train de tester un restaurant pour vous. Pas vrai les garçons ? Je filme pas vos têtes là. C'est que pour vous. Hein. Et là-bas, on en... c'est pas parce qu'on a pas de dit. Et là, on est en train de voir les vidéos pour la saison 2, Inch'Allah. Et puis voilà.